Mes projecteurs, j'espère que vous allez bien. Diana Bouli dit que le 237, c'est la poubelle pour les artistes. Elle n'a pas menti, hein. Je vous assure, c'est dit que c'est la magie au 237 avec les artistes. Je vous laisse un peu écouter un extrait de son direct et je vous reviens juste après. Écoutez très bien. Ok. Je ne rentre plus. Franchement, mon souhait, c'est que je rentre au Cameroun, j'aurais très mal au cœur. Je ne rentre plus. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je fais là-bas. Je ne gagne pas d'argent là-bas. Je ne gagne rien. Pour gagner de l'argent, il faut que je me déplace pour les pays. Il faudrait que ce soit des gens d'ailleurs qui me payent pour des choses. Mais les gens du pays, en majorité, je fais ça gratuitement. Et c'est les premiers encore qui vont te dire que, sauf certains quand même qui se permettent de payer, c'est les premiers encore qui vont te dire que tu ne sers à rien. Eh, Allah! On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a souffri. On a trop souffri. C'est bien comme tu es parti. Tu sais pourquoi que c'est bien comme tu es parti? Au moins, j'ai espoir que nos petites sœurs vont un peu respirer. Mais Marazou, c'est quoi, machin, Begla? S'il avait bien réfléchi en créant ce truc-ci, on devait faire de telle sorte que quand tu quittes un pays comme ça, surtout quelqu'un comme toi, si quand tu quittes un pays, tu quittes même avec ton image, tu quittes même avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, là, tu pars. Parce que la seule chose que tu as appris à nos sœurs ici au Moa, c'est que pour réussir, il faut balancer ton tot partout sur Facebook. Il faut balancer tes mamelons là, ou c'est les quoi, les papayes solo là, partout sur les réseaux sociaux. C'est ça que tu dis que on n'aime pas. Tu penses qu'on va aimer quoi là? Comme tu pars, tu penses qu'il va pleurer. Ah, peut-être les gars qui t'entendaient ou bien les gars qui géraient ton tot. Peut-être, ça va. Mais quant à nous, quant à moi personnellement, c'est bien. C'est bien comme tu es parti, maman. Et c'est maintenant que tu pars. Tu es parti depuis. Mais sauf qu'il y a une seule chose qui m'a beaucoup énervé et qui continue à m'énerver jusqu'à présent. Tu es parti sans tenir la main de Cynthia Fiangang. Pourquoi? Non, il faut la faire monter aussi. Partez tous, vous nous laissez notre pays un peu calme. Quelle est cette jeunesse où on va toujours vous voir montrer une autre image? L'image bizarre. Vous ne voyez pas vos grandes soeurs, par exemple, comme les Amy Dany? Tu as vu ces tot partout, bien ces trucs-là, partout. Est-ce qu'elle ne signe pas les contrats? Est-ce qu'elle ne réussit pas en la couvrant? Quelle est cette image que vous voulez donner toujours à notre jeune jeunesse que... Pour réussir, il faut s'exposer, il faut ouvrir. N'oublie pas que où tu es parti là. Tu as vu ce qui s'est passé avec, ou c'est Lolo, quoi, machin là, non? Ou c'est Beauté, quoi là. Tu as vu ce qui s'est passé, non? Tu as vu la sanction que le gouvernement ivoirien a donné à Lolo, machin, parce qu'elle a présenté son tot comme ça là. Donc, sache que là où tu es là, tu es en danger. Comme tu quittes le Cameroun, tu dis que tu fuis parce que tu as les problèmes, on te déteste, machin. Parce que tu crois que c'est là-bas où tu vas présenter ton tot, on va applaudir. Méfie-toi. Méfie-toi. Il y a un artiste qui avait chanté que ceux qui sont dehors veulent entrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. Ça ne laisse personne. Mais il chante comme ça. Le pays s'est dû. Le pays s'y va mal, mon frère. Moi, quand il reste comme ça, il fait mon bilan et voit que sans les petits business, même que la diaspora me donne, c'est que moi, j'ai réfléchi comment go. Le pays s'est dû à un degré où tu ne comprends même pas. Depuis quelques jours, mon frère me balance les images et c'est mon goût. Oh, Franco, oh, moi-même, mon frère, si je n'étais pas qu'un homme, c'est que j'ai à couler les larmes. Et que les gars souffrent en Tunisie à un degré où toi-même, tu es sur la Turquie. Mais c'est comme ça, c'est l'être humain qu'on maltraite comme ça, là. Hey, gars! Pause publicitaire! Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche là, sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois. Quand tu es dans ton pays d'accueil.
Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site là pour avoir plus d'informations. Ok. Yé. Les gars, les Arabes là sont même comment, non papa? Il y a quelqu'un qui m'a même écrit que mon frère, que les gars là savent même qu'ils et aussi les Tunisiens au pays. Sauf que le Cameroun c'est un beau pays, mon frère, il dit toujours ça. On ne rend pas nous le mal, pas le mal. Sinon, hein, mais à force de faire ce que vous êtes en train de faire, n'oubliez pas que ça peut aussi tiquer dans nos têtes. Donc arrêtez, nous sommes tous des Africains. C'est juste que c'est la peau qui est... Nous sommes tous des Africains, si vous acceptez ou vous refusez. Vous avez l'Algérie, tout ça. Vous nous voulez même quoi? Vous voulez quoi à la peau noire? Mon frère, arrêtez même ça, non? Arrêtez, c'est une manière de maltraiter les gens comme ça, là. C'est une manière de... Mon frère, nous sommes des humains. Je dis que si vous voulez les images, moi, je ne sais même pas pourquoi mon gouvernement laisse encore les enfants là-bas. Mon frère, pardon, rapatriez-les. Papa, pardon, c'est grave. Je ne peux pas vous présenter les images. Il y a les images que vous voyez. Vous allez faire 3 jours seulement en pleurant, sans même manger. C'est grave là-bas en Tunisie. C'est grave en Tunisie, je vous assure. Donc, maman, comme tu parles, que Dieu te bénisse, hein, et que tout ce que tu envisages faire là-bas, là, que ça se passe dans les très bonnes conditions. Mais tu n'avais pas besoin de faire trop de bruit, de faire un direct pour dire que tu abandonnes au Cameroun. C'est notre enfer. Laissez-nous notre enfer. Nous, on vit notre enfer ici. Les Majas qui sont partis, est-ce que tu as entendu Majas qui fait les bruits? Qui a même su que Majas... On a seulement vu les images. Majas qui lui-même n'a même pas ouvert la bouche pour dire que voilà, 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 voilà. Nous, on a seulement entendu les barbacos où il est parti pour ses études, machin, tout, tu vois. Donc, tu aurais dû partir en solo comme les autres. Parce que d'autres, tu n'es pas la première à partir du Cameroun. Tu n'es pas la première. Beaucoup sont partis, mais en solo, seulement en bac-bac. On prend une jeune demoiselle. Mais change, hein. Les démons que ou c'est, les Ivoiriens t'ont donné là. Parce que c'est depuis que tu fréquentes la Côte d'Ivoire là, que tu as commencé à marcher même nu partout, partout. Donc, essaie un peu d'être posé. Pourtant, on t'a beaucoup félicité ici. Quand tu étais vraiment Diana Bouli, la Diana naturelle, qui ne t'aimait pas. C'est quand tu as commencé à faire tes trucs, que tu ouvres tes trucs là, tu balances partout, partout, qu'on a commencé à te détester. Ne dis pas que les Camerounais te détestent. Les Camerounais te détestent. C'est toi-même qui as fait en sorte que les Camerounais te détestent. Comment toi tu peux venir exposer tout ton corps au monde entier? Tu dis qu'on va t'aimer, on va t'applaudir. Ouais. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.